Oh, ça gratte le gobelin corps à corps qui prend la tour. Waouh. Oh. Si toi aussi tu veux participer à la protection des truites, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de lâcher ton plus beau pouce bleu. Et salut à toutes les truites et truitesses, on est mardi, c'est les vacances, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Et je voulais tout simplement déjà commencer cette vidéo par tous vous dire merci. En ce moment c'est la folie, les vidéos qui ont jamais fait autant de vues, il n'y a jamais eu autant d'abonnés. Là on approche des 20 000, on va peut-être les passer aujourd'hui. Donc on va balancer une petite foire aux questions, vous allez me balancer un maximum de questions sur le chat qui seront prises tout simplement pour une prochaine vidéo où je répondrai. Et d'ailleurs pour cette prochaine vidéo il y aura des petits gameplays qui vont passer en fond, il y en aura deux. Je vais sélectionner deux truites tirées au sort en commentaire. Alors comment participer à ce tirage au sort? Faut être abonné, notification activée, le petit pouce bleu ou pouce rouge. Mais faut qu'il y ait un pouce les amis pour que ce soit validé. Et autre chose en commentaire, en fait il y a 4 cartes qui vont s'afficher dans l'overlay là, enfin dans cette vidéo, ils vont s'afficher un petit peu partout à l'écran. Et ce que vous devez faire c'est me constituer un deck avec ces 4 là plus 4 que vous ajoutez vraiment à votre guise. Voilà un petit peu pour l'idée, je sélectionnerai donc les personnes qui auront 1000 decks, à savoir que c'est les decks qui devront être joués pendant la vidéo, pendant le petit gameplay que je ferai avec vous. Donc vous me faites péter ça, oubliez vraiment pas les notifications, comme ça vous êtes alerté quand je vous envoie un petit message. On va passer au thème de la vidéo les amis, au concret, au sérieux. Alors il y aura un petit pack opening de type légendaire, gratuit en fin de vidéo comme d'habitude, je sais que vous aimez ça. Mais avant ça on va tout simplement se faire quelques petites games. Alors pour l'instant ça passe pas du tout. Je suis en train de chercher un deck pour 3 couronnes super vite. Le problème c'est que moi je suis à un nombre de trophées comme vous le voyez où ça rigole pas. J'ai testé, c'est pas passé. Même en tournoi, j'ai testé, c'est pas passé. Donc c'est pas un deck qui va vous être utilisé pour monter des trophées rapidement quand vous êtes déjà haut. Par contre si vous êtes bas en trophée et que vous voulez faire des 3 couronnes, c'est vraiment un deck que je vous recommande et qui marche, qui va clairement masser des couilles. Donc oula, pardon, on censure, excusez-moi, c'est parti en sucette. Donc qui masse des olivettes. Donc vraiment je vous le recommande. Alors est-ce que j'ai pas un ami là qui me demande en combat? Tiens, je vais aller voir si j'ai des amis co qui ont pas beaucoup de trophées. Ça va être mes cobayes un petit peu. Donc pour tester ce deck. Étant donné que à mon niveau en ladder, les gens ils ont pas le temps. Alors, comme vous le voyez, ma liste d'amis qui est longue, qui est très longue, vous pouvez m'ajouter mon profil d'ailleurs qui est sur Facebook. N'hésitez pas à m'ajouter. Tiens, dites-moi si vous êtes vu dans cette vidéo en ami. Ça peut être marrant. A few moments later. Alors, mes petites truites, vous avez vu, hein, j'ai mis du temps finalement, j'ai demandé à mon clan et on va se faire une petite attaque. Et pour apporter cette touche de fun, la règle c'est uniquement viser le 3 coucou. Donc moi j'ai gardé la version quand même originale du deck pour vous montrer, on défendra ici avec les troupes. Et ce qu'on va faire c'est derrière viser, oh le cimetière. C'est bien ça le cimetière. On lance tout de suite les archères, le bon zap. Oh le bon gel. On va zap. Ok, ça défend. On est un poil devant. Oh, ça va être chaud les amis. On a affaire à un cimetière de la part de Baptoy. Donc on va jouer les canons en défense. Toutes nos troupes, on va les garder pour la défense. Mais en temps normal, donc alors, pour le deck, hein, que j'en parle un petit peu quand même, le but, c'est bien évidemment d'aller chercher le 3 coucou, mais également de défendre avec tout ce qui est bâtiment défensif, etc. Ok. Il m'envoie ça. On va envoyer la totale, hein. Ah, oh, c'est très bien joué ce GDG. Et ça défend. Ça défend très bien. Ok. On a le zap ici. Qu'on va utiliser. On va envoyer le fût derrière. Avec l'aggro de 7 mégas. Le bon zap, mais on va gratter ici au mineur. C'est pas dégueu. Ok. C'est au x2 où tout va s'accélérer, les amis. Hein. Là, on éloigne bien les troupes.
Il faut vraiment que je garde mon miroir pour là. Là, on va zap. Ok, on y va. Et on va cloner là. Ok, c'est passé les amis. Et ça va gratter. Ok. C'est bien défendu de sa part hein. C'est très bien défendu de sa part. Le salaud. Ok, on envoie la famille. Avec le petit canon en plus. Normalement la défense qui est là. Et on va réenchaîner avec notre combo. Oh non. Oh non. Je me suis trompé. Aïe. Ça, ça pique. C'est pas grave, on envoie tout de suite le mineur. On place un canon. On va jouer la méga gargouille ici en défense. Ok. On a ça, c'est pas mal. On joue les archers là. Alors attendez, là il est en train de me pousser la tour là. J'ai zap d'ailleurs, j'aurais pas dû. Attention, il est en train de tricher les amis. Allez go, cette fois-ci on se trompe pas dans l'ordre. On a tout. Allez, c'est cloné. C'est cloné, ça gratte. Ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. 1000 PV, 900 PV les amis. Allez, on renvoie la sauce. Ça gratte, ça gratte. 500 encore PV. 400. Oh, ça devient chaud. Il est en train de claquer. Ses olivettes sont en train de claquer. Je l'entends. Ok. Alors attendez. Là, là, il va me troc. Non, il va pas me troc, coucou. C'est bon. On va zap ici. Allez, on envoie la totale. Putain, c'est bien géré là. Ça gratte. 250. Toujours pas ça. Oh, si j'avais la BDF là. J'ai tant de débrain. Voilà, le zap qui a été fait. Oh, ça gratte le gobelin corps à corps qui prend la tour. Waouh. Oh. Ah. Ah, bon, là, il faut se dire que c'est un joueur donc qui s'attendait à ce 3 couronnes, donc c'était un peu plus délicat, etc. Mais quand un joueur ne le joue pas et que vous avez une avance en niveau ou en trophée, croyez-moi, il contrôle pas, il perd totalement le fil. Et si vous réussissez le combo et qu'il a pas de zap, s'il a pas de zap ou de flèche, c'est terminé. Du coup, bah, j'espère que vous avez apprécié ce petit deck. Je vous remonte rapidement la decklist. Donc le bâtiment défensif, le canon que vous placez. L'idée, c'est de défendre, défendre, défendre. Et enfin, défendre, défendre, défendre. De défendre dans un premier temps, de réceptionner, puis derrière, boum, la contre-attaque avec tout simplement les deux fûts, le mineur, puis le sort de clonage. Et derrière, bah, on prie pour que ça passe. Et si ça passe pas, bah rip, on retente sur la game d'après. Du coup, ce qu'on va faire, mes petites tweets, c'est passer au pack opening de type légendaire qui a eu lieu hier soir sur ma chaîne Twitch. Vous étiez d'ailleurs nombreux. On avait reçu d'ailleurs un invité surprise, le petit Raze YouTube. Vraiment sympa. On a passé des super games. La rediff qui... Tiens, je mettrai le lien de la rediff Twitch en lien dans la description pour ceux qui veulent voir un petit peu cette rediff. Et ce que je vous dis, c'est let's go. Pack opening. Où aller? Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Ah, vous attendez que ça? Je rappelle qu'on est actuellement en live sur Twitch. Si vous connaissez pas ma chaîne Twitch, le lien dans la description. Pensez à la follow, activez les notifications, un peu comme YouTube, pour être vraiment tenu informé de mes lives avec une petite notification, un petit push des familles. Et bah, allez, on va s'échauffer sur les petits coffres en bois. J'ai pas vu s'il y avait des coffres de défi. Ok, des gemmes. Il est content d'avoir des gemmes. Parce que c'est quelqu'un qui ne gemme pas sur son compte. Allez, on va continuer ici. On va voir, tiens, après ces deux coffres en bois, ce qu'il lui montre en légendaire. Parce que c'est vrai que je ne vous ai pas montré le contenu de son compte. Il lui manque 5 cartes actuellement. Il lui manque donc la princesse, le cimetière, la bûche, le dragon TDE. Et enfin, le sort de clonage. Clairement, ce qu'on ne veut pas voir, c'est le dragon TDE. La princesse, on prend. Dans l'ordre, le cimetière, la priorité, le cimetière, la deuxième carte, la bûche qui est extrêmement jouée dans quasiment tous les decks en ce moment, et enfin la princesse en troisième, et pour finir le dragon TDE. Me connaissant personnellement, ce sera ou princesse ou dragon TDE, à 50-50, je pencherai peut-être pour, allez, le dragon TDE. On va voir
Let's go, on va continuer l'opening. Alors, juste avant, est-ce qu'il a des coffres de tournoi? Non, du tout. Ok. Allez, petit coffre en or. Zappy, on prend. Ah non, faut surtout pas un Zappy. Ce serait horrible. Il faut qu'il ait une nouvelle légendaire. 19 crottes, 4 Valkyries. Ok. On va enchaîner là. 255 pièces. 2 bombardiers, 10 flèches, 22 barbares et 4 géants. Pour l'instant, ça va pas. Pour l'instant, ça va pas du tout. On va se faire le coffre épique. Le coffre à couronne. Quoique non, coffre à couronne. On va se respecter. On va respecter le coffre épique qui va en contenir 20 quand même. C'est énorme, 20 épiques. 2 gemmes depuis la petite mise à jour. 4 mousquetaires. Mais pourquoi on a les rares au tout début? What? Oh putain les gars, c'est chelou ce qui vient de se passer. Le coffre il est genouné les amis. Ce coffre est genouné. On a eu 2 rares. Enfin 4 et 4, 8, on a toutes les rares. 67 communes, il manque une carte. Et cet ordre, est-ce que ça veut dire légendaire? What the fuck? Ah non, non, non. Non, non. Arrêtez les gars, pas ça. On est comment là? Toi derrière ton écran, si tu te sèves assez nord, tu vas avoir un coffre légendaire gratuit dans les prochains jours. Ouais, ouais, véridique. Approuvé par Cobalpi. Une petite princesse. Épique, épique. Ouais, c'est possible apparemment. Allez, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Let's go. Oh. Oh! Que c'est moche. C'est une épique quand même. C'est une épique quand même, mais c'est très moche. Allez. Le coffre épique, c'est parti. On débloque le clonage. C'est dommage, on le débloque seulement. 5 bébés dragons, c'est propre, ça. Bientôt niveau 4. Arkix. Aïe, 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 aïe. On veut finir en beauté. Oh! 9 golems. Le golem qui va pouvoir passer niveau 4. Et ça, c'est propre. Ok. C'est pas mal. Dommage pour l'Arkix. C'est vraiment l'Arkix qui pose problème. Mais après, bon, ça reste honnête. Bon, les amis, on va passer aux choses sérieuses. Le coffre légendaire. La pression monte. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Bismillah, on y va. Ah, je peux pas. On y va. Je veux pas regarder. Je veux pas regarder. Je veux pas regarder, non. On est bien ou pas? Je regarde le chat. Je regarde le chat. Éteins ton écran. Non. Go spam. Sosso de glace, j'annonce. Zappy, mineur. Zappy, mineur. Oh non, pas le mineur. Oh. Il va me tuer. Il va me tuer. Oh, est-ce qu'il joue le mineur? On va essayer de se consoler. Oh. Non. Ah là il y a un mineur. Mais ça a l'air d'être un deck de tournoi. Oh, ah c'est dur. Ah c'est moche. Oh. Désolé pour toi Cobalpi, en tout cas merci à RND hein, pour ce pack opening du bled. Malheureusement on lui débloque pas de nouvelle légendaire, voilà. La noirceur incarnée, elle est là. Je suis un mec qui n'a pas de chance. C'est comme ça, c'est la vie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, faites péter le pouce bleu qui va bien. Les notifications, l'abonnance, le partage, le commentaire. Faites tout péter. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Le chat, on dit au revoir. Je compte sur vous. Des bisous.